Ah oui, oui, non, on y était aussi. Bon. Et puis après, on avait coupé. Voilà, je peux parler. Il y a mon fils dedans. Ah bah, pas très long. Le Roi. Le Roi. J'ai vu une type de Roi. On est mal de Roi, je te Eh, Corentin, c'est bien. Allez, eh bien, Igor! Tout le monde le remarque, tout le monde dit, mais il n'y a plus une star vite. C'est Clément. Là. Tu veux que j'essaie pour. Clément, c'est là. Pour Antoine ou pas? Oh non, c'est bon, c'est bon. Je pense qu'il n'est pas là. Allez, Antoine! Allez, mon grand! Allez! Allez Antoine! Allez mon grand! Allez Antoine, t'es bien là! Antoine! Antoine! Allez mon grand! Allez accroche hein, c'est bien! Hey Clément! Donc, un nouveau succès.
succès. Alors que cette saison, après la boucle de l'Estor, après les crossés de l'Estor, après la route d'or du Poitou à Civray, le Prix d'Aix-sur-Vienne et la première étape des boucles nationales du printemps, vainqueur de la... Avec les concurrents donc pour la deuxième place. Allez, avec le sprint, on a eu 8 éléments et le sprint est lancé sur ses hommes. Et on va voir le doublé du Team Proimo Nicolas Roux avec donc Thomas Chassagne qui va chercher la deuxième place. Ensuite derrière, le troisième, c'est Gérard. Bien entendu, ce sera vérifié avec des arbitres. Moi, c'est ce que nous avons vu avec Thierry Jacquet, mon collègue à l'animation. Mais c'est à vérifier et surtout à affirmer par le juge à l'arrivée. Allez, restez bien derrière les barrières de sécurité, hein, c'est pas fini. Là, on a eu l'homme de tête, on a eu le petit groupe qui était pour la deuxième place, et puis on a encore quelques éléments, ils étaient trois tout à l'heure. Donc pour ces garçons-là qui en terminent, avec tout d'abord Igor Imbert d'Argenteuil, avec ensuite, juste derrière, Maxence Beaujean de Vaux-en-Velin, et celui qui remporte le classement des rushs et le prix Robert Guillaumin, c'est Kevin Boyer du Villa Club de Villefranche-Beaujolais. Allez, pour encore des concurrents là qui en terminent. Alors, le premier là sur ce petit groupe, c'est Dimitri Aubin de l'UVAUBE, avec ensuite derrière Mathéo Le Fur. Un petit peu plus loin, on avait Justin Ducré de Charlieux. Allez, toujours pour les garçons là qui terminent. Alors, nous avions donc là, si on a bien vu, hein, c'est Mathias Piron tout d'abord. Allez, pour tous ces coureurs, on laisse arriver tout le monde avec le peloton là. Non, c'était le premier peloton qui en termine. Allez, tout s'est très bien passé, on laisse arriver tous ces garçons. Et puis ensuite, on va se préparer donc avec la cérémonie protocolaire de cette épreuve. Nous aurons, je pense, avec nous dans cette cérémonie protocolaire.